L'immunité innée. Activation des cellules NK. Les cellules NK peuvent distinguer les cellules infectées des cellules saines. Leur fonction est régulée par un équilibre entre les signaux générés par les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs. En général, les récepteurs activateurs tels que le NKG2D reconnaissent des molécules de surface cellulaire qui sont exprimées fréquemment sur les cellules soumises à un stress, entre autres une infection virale ou bactérienne, mais aussi les cellules tumorales. L'activation des cellules NK déclenche la libération des protéines contenues dans leurs granules cytoplasmiques. La perforine crée des pores dans la membrane des cellules cibles et les granzymes pénètrent dans les cellules induisant la mort par apoptose. Lorsqu'une cellule NK interagit avec une cellule saine, celle-ci n'exprime pas des ligands pour les récepteurs activateurs, mais au contraire, elle exprime des ligands pour les récepteurs inhibiteurs, principalement les molécules de CMH classe 1 normalement présentes à la surface de toutes les cellules nucléées saines. Ces récepteurs inhibiteurs génèrent un signal qui inhibe l'activité destructrice des cellules NK. Ceci est utile car de nombreux virus ou autres causes de stress cellulaire entraînent une perte d'expression de CMH à la surface cellulaire. Cette capacité des cellules NK à être activées par des cellules dépourvues de CMH de classe 1 a été appelée reconnaissance du soi manquant. Pour récapituler, lorsqu'un lymphocyte NK interagit avec n'importe quelle cellule, le résultat est déterminé par l'intégration des signaux générés par l'ensemble de récepteurs inhibiteurs et activateurs. Un autre récepteur activateur important sur les cellules NK est le CD16, qui est un récepteur pour les anticorps IgG. Au cours d'une infection, ces anticorps se lient aux antigènes microbiens exprimés à la surface des cellules infectées. Et le CD16 sur les cellules NK peut se lier aux régions Fc de ces anticorps. En conséquence, le CD16 génère des signaux d'activation et les cellules NK tuent les cellules cibles recouvertes de molécules d'anticorps. Ce processus est appelé la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps. La DCC est un exemple de coopération entre l'immunité innée et l'immunité adaptative.